Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vais faire une lecture de tarot pour les signes de terre pour le mois d'avril. Donc, on va voir ensemble ce que le mois d'avril vous réserve, vous les taureaux, les vierges et les capricornes. Mais avant d'entamer cette lecture de tarot, je vais d'abord regarder quelle vibration énergétique, dans quelle vibration énergétique vous serez ce mois d'avril. Donc je vais mettre le tarot de côté. Et on va voir ensemble dans quelle vibration énergétique vous allez être ce mois d'avril. Vous, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Dans quelle vibration énergétique vous serez au mois d'avril? Vous avez vécu dans les mois passés dans un environnement malsain, toxique, ou peut-être il y avait des personnes toxiques autour de vous. Et au mois d'avril, vous prenez conscience de cela parce que je vois qu'il va y avoir un changement radical. Ce changement va être motivé par une force intérieure. Il y a eu de la colère, c'est une colère intérieure, un peu comme si, comme j'ai dit, vous allez prendre conscience ou vous avez pris conscience et vous êtes en colère contre vous-même, non pas envers une personne, mais envers vous-même. Et c'est grâce à une force intérieure, à un désir puissant qui va émerger de vous pour vous apporter ce changement. Oui, je vois que vous avez doucement, au fil des mois, appris à écouter votre voix intérieure. Vous avez compris que ce que vous avez vécu n'est plus bénéfique pour vous. J'ai l'impression que vous allez vous mettre dans un état de méditation, de recueillement, d'écoute intérieure, parce qu'au mois d'avril, vous allez débloquer certaines choses, peut-être des blocages karmiques, peut-être, ou comprendre que ce que vous avez vécu n'est plus bénéfique pour vous. Et ce changement est dû, je vous ai dit qu'il y a une colère intérieure, et peut-être dû à une trahison. Je pense que c'est cette trahison qui va faire, je dirais que c'est grâce à cette trahison que vous allez décider
ou plutôt prendre conscience qu'il faut qu'il y ait un changement, une transformation intérieure d'abord, afin de comprendre pourquoi vous laissez entrer autour de vous des personnes toxiques, nocives pour votre santé intérieure. Ok, ça c'était les vibrations énergétiques dans lesquelles vous allez être au mois d'avril. Je passe à présent à la lecture de tarot et on va voir ensemble ce que le mois d'avril vous réserve, vous les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce que le mois d'avril vous réserve? Le tarot répète ce que j'ai vu à travers votre vibration énergétique. Vous entreprendrez ce mois d'avril une transformation radicale au niveau de votre vie actuelle. C'est plus qu'une transformation, c'est une transmutation. Et cette transmutation, c'est en lien avec une prise de conscience. Et ce besoin de vous recueillir, de vous retirer, est un besoin bénéfique pour commencer cette transformation, ou plutôt cette transmutation. Vous êtes à la recherche d'une guérison intérieure, définitivement. Et cette guérison intérieure, vous allez l'entreprendre au mois d'avril. Et ce travail sur vous, cette métamorphose, va se poursuivre jusqu'en été. Mais elle va débuter, je dirais fin mars, début avril. De toutes les manières, elle va débuter, je dirais, vraiment au début du mois d'avril. Peut-être vous allez prendre conscience, cette prise de conscience va se faire à la fin du mois de mars, mais durant le mois d'avril, vous amorcez cette transformation, ce désir de changer les choses, mais de changer d'abord et avant tout ce qui doit être changé à l'intérieur de vous. Ce changement qui va se faire, de ce que je vois, va vous rendre fier de vous. Vous allez vous n'allez plus vous reconnaître à tel point que cette fierté personnelle
va vous aider à poursuivre sur cette voie. Et cette prise de conscience, cette prise de conscience va vous amener à prendre de la distance avec une personne. Avec une personne qui, au fil du temps, a beaucoup changé vis-à-vis de vous. Ce n'est pas une rupture définitive avec cette personne, mais c'est une remise en question qui va vous permettre de comprendre certaines choses qui, jusque-là, étaient confuses ou que jusque-là, vous ne vouliez pas voir parce que cela ne faisait pas votre affaire. Ou parce qu'il y a eu, au fil du temps, à cause de la lune, il y a eu, au fil du temps, en vous, un processus d'idéalisation fortement justifié ou motivé par votre passé ou par votre enfance et que vous avez poursuivi durant l'âge adulte. Il y a eu certains blocages ou certaines hésitations à débuter cette parce que je vois une évolution chez vous. Il y a quelque chose qui va vous pousser. Cette prise de conscience va être grâce à cette distance que vous allez prendre avec cette personne proche de vous. Et cette distance que vous allez prendre, c'est elle qui va faire en sorte que cette prise de conscience va vous amener vers cette transmutation, vers ce changement radical que vous allez faire sur vous. Parce que c'est un travail, je ne dis pas que tout va se faire au mois d'avril, mais c'est au mois d'avril que va débuter cette prise de conscience. Vous avez toujours été protégé dans votre vie et ce changement que vous allez opérer, qui n'est pas facile parce que vous allez devoir chercher au fond de vous et très loin dans votre passé ce qui a bloqué aujourd'hui votre vie actuelle vis-à-vis des relations avec les autres. Vous serez protégé ce mois d'avril, vous serez non seulement protégé, mais vous allez aussi garder espoir que ce changement, malgré qu'il ne sera pas facile, que ce changement ne peut être que bénéfique pour vous dans les années à venir. C'est un travail de longue haleine, mais vous allez l'entreprendre.
Vous allez l'entreprendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Il va y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous durant ce mois d'avril. Et cette opportunité, vous allez la saisir comme un cadeau du ciel. Parce que cette opportunité est quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être le retour de cette personne avec qui vous allez prendre la distance, ou ça peut être quelque chose au niveau du travail. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une opportunité qui va s'offrir à vous comme un cadeau du ciel. Et cette opportunité que vous allez saisir va vous amener vers une certaine abondance. Vers un amour de soi. Vers un amour véritable, un amour inconditionnel. Et quand je dis une abondance, je ne parle pas que d'abondance financière. C'est d'abord et avant tout une abondance intérieure que vous allez manifester autour de vous. Et ces énergies positives dans lesquelles vous allez vibrer après avoir effectué cette transmutation, va transformer radicalement votre vie et vos relations avec les autres. Au mois d'avril, je dirais vers la fin du mois d'avril, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Et quand je dis entreprendre quelque chose de nouveau, c'est au niveau d'une passion que vous nourrissez depuis longtemps. Il y a une personne de votre entourage à qui vous faites confiance. Que je dirais, auprès de qui vous vous confiez, je vois que cette personne vous jalouse. Vous allez vous en apercevoir au mois d'avril. Au début du mois d'avril, vous allez vous apercevoir que cette personne, une amie ou quelqu'un de la famille, une cousine, ou un cousin ou un ami, peu importe, cette personne vous jalouse, vous envie. Tout à l'heure, lorsque j'ai regardé vos vibrations énergétiques, j'ai vu qu'il y avait des liens toxiques, des personnes nocives autour de vous. Et vous allez vous en apercevoir au début du mois d'avril. J'avais vu que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition, de votre voix intérieure. Et c'est grâce à cette écoute
ou grâce à cette intuition que vous allez vous apercevoir qu'il y a autour de vous une personne qui vous jalouse, une personne auprès de qui vous confiez, une personne que vous considérez comme une vraie amie, ou comme j'ai dit, ça peut être une sœur, un frère, quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a juste vous qui savez qui est cette personne à qui vous vous confiez. Et vous allez vous en apercevoir. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.